This one's a little difficult, so I'll take this one. Queen est une compagnie, hein? Oui, qui c'est pas uniquement les quatre gens qui sont sur scène. Il y a peut-être 20 qui sont payés dans l'équipe de Queen sur une base de toute une année, même s'ils travaillent pas ou même s'ils sont en studio. Alors si Queen, par exemple, décide de faire la tournée en Europe, on est contacté d'abord pour disponibilité des salles, etc. Alors eux, de leur côté, ils font leur planning parce que, bon, on ne peut pas faire, par exemple, lundi Berlin, mardi Bruxelles, jeudi Copenhague. Ils font une planning sur toute une tournée et ensuite ils font une sorte de préparation dans le sens que tout est établi ce qu'ils veulent comme point de vue lumière, hein. Et ce sont des compagnies différentes qui travaillent dans toute la structure de Queen. Queen fait appel à une compagnie pour organiser tout ce qui concerne les voyages, les tickets d'avion, les hôtels, etc. Queen fait appel à une compagnie qui fournit un road crew qui est bien connu ici dans toutes les salles en Europe. Queen fait appel à une autre compagnie qui fait les lumières. Hein, et c'est une compagnie, par exemple, les lumières, c'est TFA Electro Sound, et c'est une compagnie de Los Angeles. Alors, Queen fait appel à des compagnies sur même les petits points concernant nourriture des musiciens, nourriture des techniciens, etc. Et vous voyez, comme on a vu tantôt, toute une cuisine est installée dans une des loges. Sur les deux concerts, il va y avoir combien de monde? Entre 16 000 et 17 000 personnes. Queen était venu en 78 et ils avaient joué trois concerts à Forêt Nationale. Et là, c'était encore plus de monde ou... Sur les trois concerts, on a fait 21 000 personnes, oui. Pourquoi disons, n'y a-t-il mais que... maintenant, on pouvait faire encore deux jours aussi parce que je viens juste de parler avec les directions de Forêt. Ils pensent qu'ils avaient pu encore faire deux jours en surplus. Tellement il y a eu de demandes pour les tickets. Oui, il n'y a plus de tickets à Bruxelles à partir du début de la semaine. Et selon Forêt, ici, la demande est si énorme qu'on pouvait encore faire deux jours. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible? Parce qu'il n'y a plus de dates disponibles. On est un peu limité. Si Queen doit suivre toutes les demandes, il doit faire 600 concerts sur une année et on n'a que 365 jours. Fait beaucoup de stress, ça veut dire qu'ils aiment bien d'avoir des hôtels qui sont de première classe, que les voitures, les limos sont prêts quand ils arrivent à l'aéroport, parce qu'ils ne voient que ça en tournée, hein. Ce sont les aéroports, ce sont les hôtels, ce sont les salles et les intérieurs des limousines. Combien de temps as-tu passé à la préparation des deux concerts de Queen? Disons que c'est assez simple, Queen. Hein? De certaine manière, avec Queen, j'ai moins de travail parfois que pour un concert à l'ancienne Belgique. Tout le monde ici a une responsabilité, il le fait tout à fait. Dans l'équipe de Queen, hein, il y a un agent de voyage qui règle tout concernant les hôtels. Bon, moi je fais les petits points du contrat.
So come and get me. Let me. That says my heart is on a long time road. So long, don't expect me to behave perfectly. And wear that sunny smile. My guess is I'm in for a cloudy and overcast. So I usually spend about 8 weeks of, you know, office preparation and this kind of thing. I've had physical work, but, you know, we might be talking and booking equipment and that kind of stuff maybe 3 months in advance, 4 months in advance. You created the light show with Queen? Yes, with Queen and the lighting director. We discuss what will work and what won't work, you know. It's a lot of materials involved, you know. How long does it take on the day of the show to put on all the material? When it's supported from the roof like this, from 8 o'clock in the morning till about 5 o'clock in the evening. And if it's ground supported, you know, by towers, then it takes from about midnight the night before to go in. If we have to build a system that holds it up, you know, from the floor. How many roadies do you need? There's 17. Plus truck drivers, and et cetera, probably a total of about 23, about 25 people. With who have you worked before? Oh, many different people. Elton John, Three Dog Night, Jimi Hendrix, and many different tours. So you've seen all the evolution of the technical equipment? Yeah, yes, I've been doing it since 1966. Don't you think that the groups are going too far in the big equipment, big lights? Not really. I mean, it all depends. The audience seems to like it. I guess, you know, it's possible. I mean, it's... I don't know. I don't think they're going too far, you know. It's, the audience seems to like it. It's a show. It's a big production, you know. When did it change, really? The change probably came around... I guess about 72, and the show started to grow bigger and bigger, I guess. It was about 1972. Compared to other groups, how do you qualify Queen's equipment? It's a large production. Yeah, it's about as many lights as you could put up in one day, you know, and do a concert somewhere else the next day, you know. During all your career, you've worked with Jimi Hendrix and a lot of people. Who did you prefer? None, really. They're just, you know, I enjoy working with most people. You know, I don't think you can say one person is better than the others. Jimi Hendrix must have been a great experience. It was a good experience, yeah. It was, at the time, you didn't realize what a great experience it was, you know, because it was just doing shows, but yeah, it was quite an experience. And with Queen? Queen, yeah, it's quite an experience.